suis bien. C'est bon ? Je rate. C'est quand tu veux. Ok. On y va ? Oui. Ok, alors c'est parti. Bah Bernard, d'abord, je voulais te remercier vraiment de nous accorder cet entretien. Je pense que ça va être intéressant pour nous, puis le montage, qui est donc ta spécialité depuis que tu es entré à l'ENF, est quand même un domaine encore assez mal connu, donc on se réjouit. Alors, je pensais faire donc en peut-être plusieurs moments dans l'entretien. Donc d'abord, ton histoire à l'ENF, comment tu as perçu un peu l'institution depuis ton point de vue de monteur, depuis ta salle de montage. Et puis après, entrer dans des choses de travail concret, les outils, l'histoire de... Oui, puisque ce qui m'a amené à rentrer à l'ONF, parce qu'il y a tout un chapitre avant mon entrée à l'ONF, tu parlais de formation à un moment donné, hein, et puis ce que j'ai eu comme formation, j'ai eu une formation en Suisse qui finalement, je m'en rends compte, qui m'a beaucoup aidé dans la suite, pas pour la suite, mais dans la suite des choses, c'est que j'ai travaillé à un moment donné pour... J'étais photographe de profession. J'ai un certificat de photographe. Et j'ai commencé une quatrième année de photo pour devenir... pour avoir une maîtrise. Et puis j'ai eu un malentendu avec une des personnes à Cologne, et puis on s'est engueulé. J'ai pris le train de Cologne pour retourner en Suisse, et puis j'ai eu un procès devant les prud'hommes parce que j'avais lâché la job. Et puis j'ai gagné mon procès, mais j'ai pas eu ma maîtrise. Donc ça s'est tombé à l'eau. Alors, de là, je suis parti, j'ai travaillé à Bienne, en Suisse, pour les montres Omega. Faire des photographies, juste la photo, hein, pour faire de la photographie des montres Omega, là, il faut qu'ils soient à 10h08 ou 10h12, ça dépend du client. Et il faut qu'il n'y ait pas de reflet sur la vitre. Il faut que les quatre branches des montres soient exactement... Ça me prenait 2 à 3 heures de travail pour éclairer une montre. C'est monstrueux, hein? Puis je faisais 2 montres par jour. Et puis, mais ça m'a donné une espèce de capacité de précision que j'ai gardée toute ma vie. Donc, c'est un très bel héritage que j'ai eu de mon métier, finalement. Et puis, bon, voilà. Mais ça, c'est étonnant, c'est terrible. C'est une situation qui était épouvantable. Je ne pouvais pas vivre là-dedans. Mais donc, j'ai gardé cette précision-là. Et puis, je suis arrivé au Québec. Et là, je cherchais du travail désespérément. J'ai trouvé le contre-professionnalisme en photographie. Ma première job, c'était dans un hôtel, dans un grand hôtel de Montréal, où les femmes allaient faire des photographies avec des 4x5. Ils allaient dans les clubs, faisaient des photos, puis ils ramenaient ça au laboratoire. Je travaillais là de 7h du soir à 3h du matin. Non-stop. Et il m'a fait tout lio. Alors, non-stop là-dessus, puis il fallait que je développe ça tellement vite parce qu'il retournait au club pour vendre des photos. Donc, je l'ai développé dans des bains qui étaient trop chauds pour que ça aille plus vite. Je les séchais avec un essuie-glace d'automobile et je les imprimais. Puis j'ai fait ça pendant 3 mois de temps. Puis j'ai finalement trouvé au service cinéphotographie de la province de Québec, c'était vraiment, c'est le service de photo, pas de l'office national, là, le service cinéphoto qui était à la province de Québec. Alors j'ai commencé à travailler là. Et là, j'ai fait des films politiques, parce que je voulais toujours faire du cinéma, puis je n'avais pas fait encore. Mais là, je suis arrivé dans un endroit qui s'appelait service cinéphoto. Alors, j'ai pris le ciné, puis moi, j'ai dit, moi, c'est moi le ciné. Et là, j'ai commencé à faire des films sur des trucs politiques. Le premier ministre qui fait un discours, je le tournais, comme ce qu'il fait là, en ce moment. Alors, j'ai fait ça pendant un bout de temps, mais c'était un petit peu barbant, puis les trucs n'étaient pas très intéressants.
Et puis, je voulais aller dans une salle de montage parce que j'ai toujours trouvé que les plans que je faisais, je n'étais pas très bon là, mais je trouvais qu'ils me les foutaient en l'air en plus quand ils les mettaient ensemble. Alors, je voulais aller dans la salle de montage, on m'interdisait de rentrer dans la salle de montage. Surtout pas lui, pas dans une salle de montage. Alors, j'ai pas eu accès à ça. Alors, non, je suis parti dans une petite compagnie privée qui s'appelait Nova Film à Québec, où ils faisaient du cinéma et où je suis devenu le centre des choses, le bricolage. Tout. J'étais le gars qui était là à l'année, puis des fois, il y a des gros contrats, ils ont engagé 4-5 personnes. Puis quand le contrat était fini, tout le monde partait, sauf moi, qui finissait des trucs, qui montait le négatif pour aller au laboratoire. Et là, j'ai appris petit à petit toutes les choses qu'il fallait apprendre. Je les ai appris de cette façon-là, puis c'était assez extraordinaire, parce que là, t'es obligé de te débrouiller. Et puis, tu sais, avant d'envoyer un film dans le laboratoire, puis là, on t'a dit, oui, mais on veut un montage A et B, ça veut dire que il y a un plan sur une bande, l'autre plan est sur l'autre bande, l'autre plan, c'est le montage A et B. Mais pour faire du montage A et B, il faut faire attention que la collure, parce que c'était toujours collé gratté, il fallait faire attention que le grattage n'arrive pas sur... On faisait A et B pour camoufler la collure, justement. Alors, il fallait coller ça d'une façon spéciale. Donc, j'ai appris ça aussi. J'ai appris tous les petits trucs avec l'abbé Prou. L'abbé Prou, c'est un des premiers qui a fait... J'ai le prix Albert Tessier. Il y avait deux curés qui faisaient le cinéma au Québec. L'abbé Prou et Albert Tessier. Alors, donc, j'ai travaillé avec l'abbé Prou. Puis, des choses... J'ai monté un film sur la pêche au bar de la... Rivière Voile, la pêche au bar de la rivière Voile, quelque chose comme ça, c'est presque ça le titre du film. Alors donc j'ai appris avec ces gens-là qui étaient aussi des bricoleurs comme moi. Et puis là on est en quelle année? Et puis là on est en 57, 58, 59. Ah oui, mais là je peux te conter l'histoire de... Mon premier voyage à la côte nord, c'était jusqu'à Blanc-Sablon, puis à Shefferville, avec un bateau qui faisait le dépistage de la tuberculose. Alors, j'ai fait des photos, je suis devenu assistant radiologue. Sortait les paravents et du plomb, puis on faisait des radiographies, puis... Toutes ces affaires-là sur le bateau. Et puis, après ce voyage-là, qui a duré 3 mois quand même. Pour attirer les gens? C'est les Indiens qui ont dépisté la tuberculose chez les Indiens. Et pour les attirer, je faisais des projections le soir. Puis chacun qui faisait radiographie recevait un ticket pour venir à la projection du film. Alors, je faisais ça, mais je faisais aussi la projection le soir. C'était 3 mois, beaucoup de travail. Et je rentre à Montréal avec mon matériel, puis je commence à développer mes trucs. Il n'y avait rien sur les images, tout était voilé. Qu'est-ce qui arrive? Pourquoi c'est voilé? Qu'est-ce qui est arrivé là? Et puis finalement, à la réflexion, je me suis dit, mon Dieu, c'est clair que c'est la radiologie. J'avais entreposé le film au même endroit que l'appareil, que le Röntgen, ça s'appelait Röntgen, c'est un appareil allemand qui faisait les radiographies Röntgen. Alors, c'était bien ça. Alors, je me suis dit, ça y est, je viens de perdre ma job. J'adorais ce job-là. J'ai dû même faire foutre dehors. J'étais voir le directeur, j'ai dit, écoutez, voilà ce qui m'arrive. Tout perdu et tout est voilé à cause de ma connerie. J'ai laissé ça en même temps, dans le même local que les appareils de radiologie. Elle me dit, oh, c'est dommage, ça, il faudra que tu retournes l'année prochaine. Alors, je suis retourné la deuxième année de suite. Ça, c'est en 57, 58. Je suis retourné en 58.
Puis en venant, bon, ça s'est passé, puis ça, c'était correct. La deuxième fois, c'était correct. Et là, à un moment donné, je trouvais ça un petit peu plate pour le service cinéphoto, les films politiques, et puis ce genre de trucs-là. Il y avait, évidemment, la Côte-Nord, c'était spécial, et puis c'était bon, mais c'était pas toujours ça. J'ai fait beaucoup de diapositives, de films, des choses comme ça, pour l'école médecine vétérinaire de Saint-Hyacinthe, pour étudier le pas du cheval, puis des affaires comme ça. Alors, c'était très intéressant, mais c'était pas assez de films, c'était pas assez de cinéma. Alors, j'ai aussi trouvé à l'époque où j'étais là que la quantité de choses que j'ai faites en film, hein, puis qui étaient montées par d'autres, je trouvais qu'ils me les massacraient. J'ai dit, mon Dieu, j'aimerais ça. Puis je voulais rentrer dans la salle de montage et puis on ne me permettait pas d'entrer dans la salle de montage. Ça, c'est un autre métier, tu ne rentres pas là. Alors, je dis, mon Dieu, c'est trop long, ceci, il faut enlever ça, c'est trop, puis c'était pas un bon plan. Puis, mais il restait là. Puis je l'entendais plus tard. Je dis, pourquoi on garde cette merde-là comme ça? Bon, alors là, j'ai fait des offres d'emploi à l'Office national du film pendant 3 ou 4 ans. Chaque fois, on me disait, merci beaucoup de l'intérêt que vous portez à l'Office national du film. On communiquera avec vous quand on aurait besoin de quelqu'un. Mais ça, j'ai eu quelque chose comme 4 ou 5 réponses comme ça. Je continuais. Tu n'avais pas l'expérience canadienne, tu disais. Oui, ça c'est moins le fils qu'ailleurs, comme disait ça. Je n'avais pas l'expérience canadienne. Parce que quand tu arrives ici, il faut avoir l'expérience canadienne, mais personne ne te la donne, ni la chance de la travailler, puis de l'acquérir. Alors, c'était souvent comme ça. Là, là je suis parti à l'Office national du film. J'ai eu un rendez-vous avec Pierre Junot. Tu as entendu parler de Pierre Junot, puis tu as entendu de mon histoire aussi, je suppose. Alors, j'ai un rendez-vous avec Pierre Junot. Je ne sais pas, un 10 février ou quelque chose comme ça. En tous les cas, cette année-là, en 60. Non, 61. 61, oui. Oui, 61. C'était la tempête du siècle. Il n'y a plus rien qui marche. Moi, j'habitais Québec à ce moment-là, parce que je travaillais toujours pour ces couillons-là. Et partir de Québec, pendant une tempête de neige, tu es dans la neige jusqu'ici, il n'y a rien qui marche. Il n'y a pas un autobus, il n'y a pas une auto qui roule. Québec, c'est blanc. Je suis parti à la gare de Québec et je prends mon train qui est parti aux alentours de 6 heures ou 5-6 heures du soir. Je rentre dans ce train-là, puis ça roule, puis ça arrête, puis ça roule, puis ça arrête. Et je suis arrivé lundi matin à 9h, à 8h30 ou 9h, je suis arrivé à la gare de Montréal, la gare Windsor. J'avais rendez-vous à 9h. J'arrive à 9h. Il n'y a rien qui marchait, pas de taxi. Tout est bloqué à Montréal comme à Québec. J'ai finalement trouvé un moyen de locomotion, je ne me souviens plus lequel, j'étais tellement énervé. Puis finalement, j'arrive une demi-heure trop tard pour voir Junot. Junot, c'était quand même le grand patron de l'Office pour la production française. Et puis ça marche bien, il m'interview, puis patati, patata. Puis j'étais content, je me dis, oh, je pense que je vais l'avoir. Mais j'avais les pantalons mouillés, j'étais pas lavé, j'étais un peu dégueulasse. Puis je me suis dit, mais je pense que je vais l'avoir pareil. Puis à un moment donné, il me dit, à propos de littérature, qu'est-ce que tu connais en littérature? Moi, j'ai dit, le sélection de Reader's Digest. Là, il y a une porte de garage qui s'est fermée devant lui. Puis je comprends, puis là parce que quand j'étais dans le train, là, le seul truc que j'ai eu pendant toutes les heures de voyage, c'était une calice de Reader's Digest. J'ai lu de la première page à la dernière page, avec les publicités et tout.
Et donc, il m'a dit, écoute, va te cultiver un peu, puis tu repasseras. J'ai trouvé ça tough. Alors, je suis rentré à la maison avec, en pleurant, ou presque. Et puis, là, à un moment donné, j'ai dit, ça ne peut pas se passer comme ça. Alors, je lui ai écrit une lettre. J'ai expliqué dans quel état j'étais. Et puis que ça me faisait réellement de la peine, mais je trouvais ça totalement injuste. Injuste pour ma vie, et puis injuste de la vie en général. Et puis il m'a reconvoqué, ce qui est extraordinaire quand même, parce qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui sont capables de faire ça. Alors j'ai reconvoqué, puis il m'a engagé, puis j'ai commencé le 1er juin 61, j'ai commencé à l'Office national du film. Comme un grand garçon, puis j'arrive dans un département qui s'appelle les traductions, qui était sous la férule de Jacques Bobet. Puis dans ce studio-là, il y avait Louis Portugais, il y avait Gilles Carr, puis à peu près tout, là, il y avait encore Jacques un ou deux. Hein? Ah oui, Jacques Godbout. Non, mais il venait de partir, là. C'est lui que je remplaçais, même s'il ne veut pas. C'est Jacques Godbout que je remplaçais, et puis il y avait... la poète Michel Lalonde, et il y avait aussi Gilbert Choquette, qui travaillait aux versions. Alors je commence à temps, puis ma première job, c'était la version anglaise de La Lutte. Alors, c'est ma première job. Et j'ai eu un gars qui m'a donné un coup de main, parce que c'est en anglais. J'ai eu un coup de main de la part de Tom Daly, qui est un grandiose bonhomme de la production anglaise, qui m'a montré comment monter un commentaire, parce que c'était la version, c'était de monter un nouveau commentaire dessus. Et là, il m'a montré comment faire un commentaire. Laissez passer ça quelques images, juste pour accorder assez, puis juste pour faire ça. Puis garde là, t'as un petit temps de pause qui n'a pas de raison d'être. Puis là, tu pourrais en faire un. Alors, il m'a fait travailler comme ça, et puis c'était absolument génial. J'ai l'impression d'avoir appris dans cette journée-là, ou deux jours, j'ai travaillé avec lui, ou sous lui. J'ai l'impression d'avoir appris un grand pan de mon métier. Puis là je... Dans le bureau, à un moment donné, Carl me dit « Veux-tu monter mon prochain film ?» J'ai dit « Ben avec plaisir !» Et puis c'était... Est-ce que c'était Patinoire ou Dimanche d'Amérique ? Je pense que c'est Dimanche d'Amérique. Ouais. C'est Dimanche d'Amérique, le premier. J'aurais dit Patinoire, mais... Oui, je pense que oui, c'est Patinoire. Moi, je pense que c'était Patinoire, mais... Moi aussi, je pense que c'est Patinoire. Il faudrait regarder dans ma filmographie. Mais... Non, laisse faire. Ne va pas la chercher maintenant. Ah, par Internet, c'est mieux, oui. Ouais, je vais. Alors, je monte Patinoire, puis j'ai eu beaucoup de plaisir, et il y a beaucoup de rythme dans Patinoire. Tu l'as vu déjà ou pas? Oui. Ouais. Il y a du rythme. C'est juste des images volées comme ça sur une patinoire, et puis, mais il y a du rythme, ça fonctionne, puis il y a des trouvailles là-dedans. Quand la musique arrête à un moment donné, le train passe, la musique... L'arrêt est normal, c'est pas un arrêt provoqué, c'est l'arrêt de la musique. J'ai réussi à trouver dans cet arrêt de musique juste le plan où le train passe. Donc il y a beaucoup d'inventions, il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup de plaisir de ma part de faire ça, parce que là je découvre le plaisir de travailler avec ça, puis faire ce que je veux, puis c'était très enthousiasmant. Alors ça, c'était le début. Donc là, il n'y a personne qui te dit « Ah non, mais c'est une salle de montage, tu ne peux pas rentrer là-dedans. » Oh, il y en a un qui m'a fait chier, oui, parce que celui qui me précédait, il est parti. Mais il y avait encore la salle de montage qui était là, qui appartenait aux versions. Puis à un moment donné, je suis dans un autre local avec un machin comme ça, hein, puis j'ai besoin d'une bobine. Alors je vais dans sa salle de montage, je décroche une bobine, puis il vient derrière moi, puis il me l'arrache des mains en disant « Si tu as besoin des bobines, tu peux aller les chercher chez Jacques Plante, qui était... » Joe Plante. Joe Plante, oui. Alors même, il m'avait arraché un morceau de peau sur la main, hein. Il était violent. Alors là, je trouvais que c'était pas très drôle, mais c'est le seul incident que je dirais
d'intégration qui était plus ou moins difficile. D'accord. C'est Dimanche Amérique. C'était Dimanche Amérique 61. Premier. Ouais. Ouais. Bon. Alors, peut-être ce... avant l'autre. Peut-être. Alors ce Dimanche d'Amérique, j'ai fait une partie du son. Parce qu'à Nova Film, quand j'y étais, il fallait tout faire. Il fallait faire du son, un enregistrement d'un commentaire. Toutes ces affaires se faisaient. Et donc Dimanche d'Amérique, je faisais aussi une partie du son parce que il y avait un preneur de son, mais il n'était là pas en permanence, parce que le Dimanche d'Amérique, ça durait plus que le dimanche. Donc, quand le preneur de son n'était pas là, c'est moi qui faisais du son. Et, donc, à ce moment-là, l'ONF n'est pas, comment dire... Non, pas syndiqué encore, hein, parce qu'il n'y avait pas syndicat. Je pouvais donc aller là. Mais après ça, quand le syndicat est né, à un moment donné, il dit, Werner, mais t'arrêtes de faire du son. Parce que j'en ai fait ça pour la suite du monde, beaucoup de son, hein. Mais après le syndicat, j'avais plus le droit de faire du son. Et ça, c'est arrivé quand? Ça, c'est arrivé, en 70, 68 peut-être. Ouais, je dirais 68. Donc pendant toutes les années 60, chacun... Jusqu'à 68, je pouvais faire ce que je voulais. En fait, on était employé d'ONF, mais on pouvait faire... Oui, mais tu vois, on était employé, on avait des... Chaque année, on signait un contrat pour l'année. Hein. Ah oui. On est devenu permanent du moment que le syndicat est venu au monde. Avant ça, on était des... Contractuels. Oui, contractuels. Alors... tout le monde disait, ah, ils sont chanceux à l'ONF, c'est permanent, ils peuvent faire ce qu'ils veulent, ils ne travaillent pas, ils sont payés pareil, puis c'est faux. C'est faux, on pouvait se remettre à la porte, hein, c'était clair. Alors donc, à partir du syndicat, on était... Mais j'ai fait Dimanche d'Amérique, j'ai fait Patinoire, j'ai fait Solange dans nos campagnes, je pense. Puis, est-ce que j'avais fait La vie heureuse de Paul Seitz aussi, hein? J'avais monté au moins ces trois films, hein? Selon nos campagnes, Patinoire, Dimanche d'Amérique. J'avais quatre films à mon actif, comme monteur, des fois comme preneur de son. Et puis, Michel Blau arrive un jour, puis il me dit, Werner, on va tourner un film à l'île aux Coudres, avec Pierre Perrault. Puis j'aimerais ça que tu synchronises mes roches. Et j'avais monté donc ces quatre films dans un long métrage. Et puis je trouvais que c'était absolument insultant de me demander de... parce que c'était la première job qu'on donnait à quelqu'un qui rentrait à l'office, c'est de synchroniser. Ouais, et puis ça m'avait réellement blessé sur le coup. Et puis après ça, j'ai oublié ça, puis on a travaillé, on a fait pour la suite, mais ces dernières années, là, à un moment donné, on était dans un panel à la Cinémathèque, et puis je raconte ça à la Cinémathèque, j'ai dit, tu m'as quand même insulté quand tu m'as demandé de synchroniser tes roches. Puis il n'a rien dit. Puis quelques jours plus tard, ici à la maison, il me dit, tu sais, hein, quand je t'ai demandé de synchroniser tes roches, c'est pour la simple et bonne raison que personne n'aurait été capable de faire ça à l'office. Synchroniser des roches. Parce que le problème de ça, tu allais faire un film, tu faisais une claquette, mais il faut dire que c'était pas du cinéma vérité. Tu faisais une claquette, paf, tu mettais les deux films ensemble, tu allais à la prochaine claquette, puis à la prochaine claquette, et à la prochaine claquette, et tout ça était parfait. Mais quand tu fais du cinéma documentaire vérité, t'as une caméra qui marche pas assez vite, t'as un son qui va trop lentement, puis il faut essayer de combiner ça. Alors, normalement, tu pouvais toujours te rattraper dans le son marchait un peu plus vite que l'image, alors, mais tu mettais un petit bout d'amorce, deux, trois images d'amorce entre un mot puis un autre, pour revenir à la synchro. Et puis, et ainsi de suite. Mais l'emmerdement, c'est qu'à l'office, ils avaient du numérotage de bord. Alors, le numérotage de bord,
il était fait pour deux trucs qui marchent ensemble. Alors, claquette, numéro de bord jusqu'au bout. Mais là, le numéro de bord, claquette, puis c'était pas synchro à un moment donné, puis mais ça allait au bout. Donc, les numéros de bord me faisaient plus chier que de m'aider, tu comprends? C'est qu'à un moment donné, j'avais perdu la synchro, puis je ne le trouvais plus. Puis là, je mettais le numéro contre numéro, puis ce n'était pas synchro. Donc, il fallait que j'oublie ça, les numéros de bord. Et puis, tu faisais ça parce que c'était tourné en extérieur, il n'y avait pas, ben pas synchro, l'image et le son, comme sur la prise électrique. Et c'était le début, hein, où des dialogues étaient pris Raconte-le donc, là, c'est toi qui Non, mais parce que quand je commençais à parler du synchronisme qui n'était pas. Mais là, tu me sors un peu de mon dialogue, mais ça ne fait rien. Là, mais on sait très bien que quand quand le cinéma demandait du 120, caméra sur le 120, l'enregistreuse sur 120, puis les deux fonctionnaient ensemble, c'était parfait. Ça donnait 24 images par seconde. Pour le film et pour le son. Mais quand tu es sur des batteries qui sont plus ou moins bonnes sur le son, puis des batteries qui sont un peu usées quand tu as des batteries neuves, c'est relativement stable, mais pas forcément. Alors quand tu perdais cette stabilité ou ce truc-là, il fallait que tu mettes des bouts d'amorce dans le son pour arriver à la même longueur que l'image. Et puis, à un moment donné, mais ça, c'était, ça n'arrivait pas si souvent que ça, mais c'est quand même un gros travail de synchronisation pour arriver à avoir quelque chose qui est toujours correct. Donc, quand les deux sont sur secteur courant, ça marchait bien. Oui, mais c'est pour ça que le cinéma vérité n'existait pas, tu comprends? Ouais. Le cinéma vérité ne pouvait pas exister parce qu'on n'avait justement pas d'enregistrement sonore. Puis quand tu... Ils arrivaient dans une certaine mesure, mais pour ça, il fallait qu'ils prennent un camion, un gros camion générateur, hein, où ils te fournissaient du 120. Alors, il fallait mettre le gros camion très loin de l'endroit où tu enregistrais, parce que... Alors, ça devenait... Et puis, surtout un gros camion dans le bois, ou si tu prends pour la suite du monde et que tu vas dans le fleuve, là, oublie ton gros camion, tu comprends? Alors, le camion a été détaché comme ça, et là on a commencé à jouer avec ça. Après ça est arrivé le piloton qui a aidé à synchroniser, mais ça veut pas dire que quand tu travailles avec un gars comme Bro, là, il a une caméra qu'il veut absolument voir parce que c'est celle-ci qu'il lui faut, mais c'est une Ariflex qui fait du bruit. Alors qu'est-ce qu'il fait avec son Ariflex qui fait du bruit? Il s'éloigne des gens qui l'interviewent. Mais là, mon cordon piloton, il a 8 pieds de long, le cordon. Mais lui, il est à 25 pieds de l'endroit. Alors, il tourne. Puis là, tu enregistres. Puis lui, il enregistre. Mais là, ça fait ça. Ils sont pas égaux. Alors, après ça, la salle de montage, il faut les placer, puis les synchroniser, puis mettre un petit bout de son, puis un petit bout d'amorce entre le son, un petit bout d'amorce après l'autre phrase. Puis des fois, c'est tac, tac, tac. Chaque phrase, tu avais deux, trois images de blanc pour donner la longueur de l'image. Autrement... Et donc ça, tout ça, ça veut dire que c'est à l'œil, c'est-à-dire que à l'œil, tu regardes ça, puis tu cherches le mot. D'habitude, quand il y a un mot, il y a un P dedans, ça aide sur le P. Le P, quand tu trouves un P, tu dis, oh mon Dieu, il a dit P. Alors, tu te synchronises sur un mot comme ça, ou même synchronisation, quand le gars dit un mot. Alors là, tu as une main pour synchroniser. Alors, tu synchronises comme ça. Mais le problème, gros problème que j'ai eu, c'est avec la Siri de Grand Louis. Quand il dit, j'ai fait ça 20 ans de temps, monter la pêche. 20 ans de temps que j'ai monté ça, la pêche. Alors là, ça ne marchait plus du tout, hein, parce que c'était le son qui était trop court.
d'habitude, c'est l'image qui était trop oui, c'est l'image. Non, l'image était plus longue que là, c'est l'image qui est plus courte dans ce cas-là. Alors là, j'ai commencé à calculer combien, et puis je me suis dit à peu près le quart, un quart du son est hors synchro parce que c'est trop court. Alors j'ai été au laboratoire, j'ai été chercher la bobine négative de cette séquence-là, je suis monté à la truca, aux effets optiques, et puis j'ai dit bon. Faites-moi une copie de ça, et à toutes les quatre images, vous en prenez une de plus. Alors, quatre images, une de plus. Tu doublais une image. Hein? Tu doublais une image, oui. À toutes les quatre, c'est ça. Oui, une de plus, c'est la dernière des quatre, tu la doublais. Alors, ça finit par marcher assez bien, ça saccade un petit peu, mais c'est synchrone. Et c'est ça la débrouillardise, c'est ça qu'il fallait trouver, tu comprends? Et c'est ça, là, quand tu n'étais pas capable de bricoler, parce que réellement du bricolage, hein, puis du bricolage qui est quand même très gratifiant, hein, parce que quand tu trouves là, tu dis j'ai trouvé ce qu'il fallait. Alors, donc, c'est très content d'arriver à ça. Mais il fallait avoir un caractère un petit peu spécifique ou un petit peu spécial. Pour passer par ces trucs-là. Et quand tu arrives aux effets optiques et que tu leur dis, moi je voudrais que vous doubliez une image à toutes les quatre images, ils te regardent comment? Ils te disent, ouais, d'accord, ok, on fait ça tout le temps? Ou ils te disent, ouais, mais, mais ils étaient très souples. Quand j'ai fait La vie heureuse d'Open Z, donc avant pour la suite, là, à un moment donné, J'avais de la neige, puis là j'avais un autre plan qui arrive, pas de neige, ou très très peu de neige. J'ai dit, maudit, ça collera jamais, mais je veux que ça colle là. Alors j'ai monté au négatif, aux effets optiques, j'ai dit, j'aimerais de la neige sur ce plan-là, ça neige pas assez. Elle me dit, veux-tu de la neige noire ou de la neige blanche? Ok, ça rentrait là-dedans. Et puis, il dit, réfléchis, la neige blanche ou la neige noire? Alors, à un moment donné, ça fait clic. Si tu prends de la neige dans un ciel clair, là, qui neige, il faut qu'elle soit noire. Si elle passe devant un édifice qui est sombre, il faut que ça soit de la neige blanche. Alors, c'est à ce niveau-là. Puis, calculait, quand il y avait un panneau, qui descendait, il calculait combien de dimanches ça prenait pour arriver sur l'édifice, puis là, il tombait sur la neige noire. Mais donc, c'est un après. Quand tu. Parce que t'aurais. Normalement, là, quand t'es pas passionné, t'es pas fou, là, tu dis, ah, ça marche pas. Puis tu cherches autre chose, tu comprends? Tandis que moi, je voulais ce plan-là, puis je voulais qu'il neige tous les deux. Alors, c'est comme ça que tu finis par découvrir des trucs extraordinaires, tu comprends? Ouais. Mais c'est quand même. C'est ta volonté de briser tout ça, tu comprends? Puis d'aller au-delà de ce qu'on fait normalement. Je suis sûr que je suis le premier gars qui a demandé de la neige noire. Alors, donc, quand tu faisais par exemple la synchro pour la suite du monde, quand tu regardes, tu es obligé de regarder à chaque fois à l'œil, donc, image et son. Tu es sur ton petit écran de Movia, là. Oui, sur là-dessus. Donc, voir le mouvement des lèvres, ça doit être. Donc, tu faisais des allers-retours avec la projection sur écran ou tu faisais. Non, c'est là-dessus. Hein. Tu étais tout là-dessus. Oui, mais une fois que c'est synchronisé, puis tout a l'air correct, tu vas sur un grand écran. Ouais. Mais pour synchroniser, c'est sur la petite truc là. Okay. Hein. Tu n'as pas autre chose. Et tu avais des fois des surprises en projection où tu disais, ah, mais ça m'avait l'air synchro sur un Movia là, puis ça ne l'était pas. Ou alors avec l'habitude. J'ai un film. Bon, dans Dimanche d'Amérique, j'avais des problèmes de synchro, puis des trucs comme ça. Puis je les synchronisais, puis comme je dis, les numéros de bord, à un moment donné, ça, tu ne peux même pas te fier dessus. Puis je dirais, ça va plus loin que ça, je pense qu'à cette époque-là, je ne savais même pas
que les numéros qui étaient sur le film et sur le magnétique étaient normalement correspondants. C'était un luxe que seul un truc comme le fitant du film pouvait se payer, le numérotage de bord. À un moment donné, je faisais du 16-35 à l'office du film. J'ai dit, j'ai besoin d'un numérotage de bord 16 et 35, mais ça n'existait pas. Alors j'ai dit, il faut en trouver une, il faut faire ça. Ils en ont trouvé une qui venait de la NASA, qui ne servait pas. Alors ils me l'ont acheté, et puis ils l'ont fait venir à l'office qui numérotait le 35 et le 16. Donc, quand tu mettais sur une synchroniseuse 16-35, tu avais 001. Puis l'autre, le 16 aussi marqué 001, puis après ça, tu avais 002 ici, puis tu avais 02 ici. Donc c'est des machines absolument extraordinaires pour faire fonctionner les affaires. Alors, donc, c'est juste à l'office que tu pouvais trouver. L'office était ouvert à tout. Mais comme beaucoup de gens ne demandaient rien, est ouvert à tout, mais pour savoir que c'est ouvert à tout, il faut que tu ailles regarder si la poche est ouverte ou pas. Alors, j'ai été fouillé pas mal. Ouais. Et puis concrètement, donc, quand tu es arrivé, donc, quand tu travaillais à cette époque-là, les services, ils étaient éloignés les uns des autres ou vous étiez dans le même bâtiment? Quand tu allais voir les effets optiques, c'était... Ah, c'était dans le même bâtiment. Mais donc, c'était vous connaissiez tout ça? Le service optique était au troisième étage, moi j'étais en bas. Et puis le laboratoire était sur le même étage que ma salle de montage, mais... On aurait dû prendre des trottinettes à cette époque-là ou des mobilettes pour se rendre d'un endroit à l'autre parce que c'était une bonne marche. J'ai marché beaucoup, je me suis tenu en forme parce que être devant une salle devant une Steinbeck, tu deviens malade parce que tu es totalement. Mais le fait de marcher souvent au laboratoire, ça m'a tenu en garde, en forme. Comme le fait de ne pas pouvoir boire de l'alcool à la cafétéria, puis je ne suis jamais sorti de l'office, j'ai pas bu pendant 35 ans. Note que je me rattrape. Hein. Tu disais qu'il y a eu un moment quand tu es arrivé, ce dont tu te servais, c'était la Moviola. Oui. La Moviola et puis la collure à la colle. À la colle, ah. C'est ça. Donc ça, c'était tout l'équipement normal du... Tout le monde faisait ça comme ça. Mais il y avait plus que ça, il y avait un gars qui s'appelait Joe Plant, qui est un employé de l'office, et les monteurs. Maintenant, je te raconte quelque chose, puis crois-le, c'est vrai ce que je dis. Les monteurs ne collaient pas leurs films. Ils disaient, ça, c'était un plan, puis je le collais avec l'autre. Ils prenaient une espèce d'agrafe en plastique, puis qui mettaient les deux plans ensemble, puis ils envoyaient ça à Joe Plant, qui faisait les collures. Mais ça veut dire que ils trouvaient le plan là-dedans, mais ils ne l'ont jamais vu en continuité avec l'autre plan. Parce que et tout l'office travaillait de cette façon-là. Hein? Ça n'a pas de bon sens. Hein? Un gars faisait les collures, je n'ai jamais fait. Surtout pas un gars comme ça qui va faire mes collures. Parce que Joe Plant, il avait quoi comme statut? Il était quoi? Ouais, c'était un auxiliaire, un homme de main. Okay. Il faisait rien, il faisait ça, il nous distribuait la colle, il y avait certains, bon, quand tu n'avais plus de colleuse ou quelque chose comme ça, il y en avait une qui te donnait, puis il collait les films le soir pour la production anglaise et pour la production française, pour les deux, là. Les deux faisaient coller leurs films comme ça. Alors, il était avec vous, il était dans... L'étage en dessous, dans un autre local. Dans un autre local, mais il y avait beaucoup de matériel qui rentrait, puis c'était des commandes. Donc, tu colles tel film. Alors, il collait ça, puis il défaisait ses agrafes, puis il collait à chaud, lui. Paf, 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 puis tu revenais, puis là, tu pouvais voir le film que tu avais fait le jour avant. C'est fou, hein? Ou cinq jours avant. C'est très intéressant. Ben là, André Gaudreau, notamment, ils sont en train de travailler sur l'histoire du montage. Oui. Et puis, des débuts du montage, où en fait, le montage était considéré comme du travail de laboratoire. C'est ça. Et donc en fait, c'était des assistants ou des assistantes souvent qui faisaient simplement les collures là où elles pensaient que ça devait être. Mais comme bon. Aujourd'hui, on fait faire le développement, bah, c'était les mêmes gens. J'en parle des alors, moi, j'ai connu des gens à l'office, là.
il y avait un monteur, mais c'était même le chef monteur. Le seul, il n'y a jamais eu de chef monteur à part celui-là, à l'office. Il mettait le pied sur la pellicule, dans la pellicule, il donnait un petit coup d'ongle, puis là, il y avait la longueur de son plan. Et puis c'est comme ça, hein. Puis là, il mettait l'un par-dessus l'autre, puis il envoyait ça au laboratoire pour être collé. Pas au laboratoire, à chaud plan pour que ça soit collé. Il y en a un autre que j'aimais beaucoup, d'ailleurs, beaucoup d'admiration pour lui, qui s'appelait Louis Portugais. Lui, il mettait le plan là-dessus, puis il comptait, il laissait rouler, puis il dit 1, 2, 3. Non, mais avant ça, il regardait, ah, ça c'est un plan 3. Puis l'autre, c'est un plan 5. Alors quand il y a un plan 5, il mettait dans le mot violet. 1, 2, 3, 4, 5, il pesait sur le frein, il marquait le truc, il coupait, il regardait même pas, puis, mais il faisait des, c'est pas des cons, hein, il faisait des belles affaires. Mais je peux pas concevoir qu'on puisse faire ça. Et j'aurais pas pu concevoir de travailler sur Pour la suite du monde si j'avais pas synchronisé. Il fallait que je l'aie synchronisé, parce que si tu prends ce matériel-là, comme ça, tout disparaît, jamais en ordre. Tu ne peux pas monter, parce qu'il faut, écoute, il faut quand même préparer ces centaines de mille pieds de film, là, ou 150 000 pieds de film, pour la suite du monde, je ne me souviens pas combien il y avait, mais il faut qu'ils soient prêts, puis que tu puisses couper n'importe où, le mettre dedans, puis que ça soit correct. Mais pour ça, il faut que ce soit synchronisé avant. Si ce n'est pas synchronisé, tu ne peux jamais faire ça. Ah, bon, alors, pour faire du cinéma vérité, toutes les choses étaient changées. Tu ne pouvais plus travailler comme dans le temps, tac, tac, puis c'était correct. Là, il fallait synchroniser, resynchroniser, mettre ça en place et le faire fonctionner. C'était une partie du job intéressante, très intéressante à faire. Ça, et puis, il y a toujours, pendant que tu fais ça, tu prends connaissance de ce qu'est dans le film. Puis d'autre part, tu peux déjà commencer à penser. Quand Michel Brault m'a demandé de synchroniser, j'ai dit que j'étais un peu insulté. Mais moi, je me suis dit, si il me demande de synchroniser ses roches, c'est bien clair que c'est moi qui vais le monter sur le mur, tu sais. Je le savais à ce moment-là. Et ça s'est effectivement fait comme ça. Michel Brault est passé tout le temps que j'étais à ma salle de montage, j'étais là. Et il faisait une petite séquence. Il refaisait la petite séquence. Il a monté quelques séquences à l'intérieur du film. Ils sont à peu près là comme il les a montées. Mais il a monté 5 séquences pendant que moi je fais le reste. Hein. Mais... c'était bien de l'avoir à côté, parce que quand j'avais fait quelque chose, on a dit « Oh, Michel, viens voir !» Puis là, j'ai montré ça, dit « Oh, c'est le fun mm-hmm. !» Donc, à ce moment-là, Brault, il était déjà co-réalisateur du film. Oui, au départ. Ouais, mais plus pire que ça, dans le contrat de Radio-Canada, il y avait 4 réalisateurs. Il y avait Perrault, Michel Brault, Marcel Carrière, Werner Nolte. Et ça, si on l'a pas, ce crédit-là, c'est à cause de Fernand Ansroum, qui a dit « ça fait trop de réalisateurs ». Alors, il a enlevé Marcel Carrière, puis moi. Mais c'est vrai qu'en principe, quand tu regardes le film qui a été fait, puis le film qui est sorti de là, il y a effectivement 4 gars qui mériteraient d'avoir le nom de réalisateur. Puis je me revendique un nom de réalisateur par rapport à ce que j'ai fait. Écoute, j'ai intervenu, bon, d'abord pour la synchronisation des roches qui n'était pas rien. Après ça, je suis intervenu en montant toutes les séquences. Et puis après ça, je suis intervenu pour dire, il manque tel bout. Puis vous avez fait une distribution de l'autre parc, elle est où cette autre parc? Je ne la vois pas. Alors bon, et il faut retourner à l'île au coude, on va retourner. Bon, Michel, on y retourne. Alors, on a retourné à l'île au coude, puis on a tourné l'autre parc, puis j'ai des photos où je suis dessus, tu sais, je le sais. Que... Et puis, à un moment donné, j'ai dit, bon, là, il faudrait qu'on retourne, puis qu'on tourne des saisons. Je veux avoir des plans sur le fleuve, on ne voit pas assez. J'aimerais avoir des plans
des plans du village en général. Alors, on a été tourné beaucoup de trucs comme ça, les jeux d'enfants avec les pneus dans je sais pas si tu te souviens, après la distribution de l'autre parc, il y a des petits gars qui descendent avec les pneus. Mais avant ça, j'avais la séquence de Léopold qui dit « Qu'est-ce que vous faites là avec mes pneus, avec ces vieux pneus-là » Puis après ça, ben, les pneus, ils servaient à descendre, tu sais, bon. Mais ça, qu'est-ce que vous faites là avec ces pneus-là? Ça, c'est dans le film. Mais après ça, quand je suis avec Michel Blum, j'ai dit « Il faut qu'on monte ces pneus-là puis qu'on les fasse descendre par les enfants. » Alors, ça s'est fait. C'est toi qui as amené les enfants dans le film beaucoup. Hein? C'est toi qui as amené les enfants dans le film. Oui. Les saisons, c'est ouais, moi qui ai amené les saisons. Le rythme des saisons puis les enfants. C'est ça. Et on est allé à l'île aux Coudes il y a deux jours, on a rencontré Noël Ange, qui est la petite fille de Grand Louis. Ouais. Qui était dans la séquence du pissenlit. Ah ouais. Puis elle a l'image dans sa boulangerie, puis c'est la gloire de sa vie. Si tu n'avais pas fait ça, écoute, elle ne serait pas. Mais il les a tournés d'une façon extraordinaire. Bien sûr, ah oui. Bro, quel caméraman de génie, ce gars-là. Mais moi, j'ai fait le son je perds des la mots. La séquence de l'autre pas l'eau, non, le voyage à New York, le récit. Non, oui, ça, oui, mais avant ça, là, je voulais parler, parce que je me réfère aux Marguerites. Là. Ouais. La séquence à la fin des Marguerites, c'est quand Louis qui parle avec un autre. Edgar. Les âmes du purgatoire. Oui, c'est ça. Et puis, tu vois Grand-Louis qui parle, puis à un moment donné, Grand-Louis parle. Puis Grand-Louis parle comme ça parce que j'avais mal attaché son micro, il était tombé, puis il voulait... il retenait le microphone. Alors... Un peu de foi, oui. Mais n'empêche, il a sauvé le microphone, il a sauvé la scène, puis ça donnait un caractère spécifique à la scène. Oui. Alors, mais donc après, Fernand Dansereau, il a le droit après lui de décider, ah mais non, mais vous avez signé ces contrats-là, oui. Mais quand même on vous met pas. Comment, nous on n'a pas signé, c'est Radio-Canada qui a signé avec l'office. Mais ce qui est extraordinaire, c'est que quand on a fait la fête à l'île aux Coudes, il y a deux trois ans, là, on fait cette fête à l'île aux Coudes pour remémorer les trucs. Puis Fernand Dansereau est juste là, à côté de moi. Là, puis on regarde le film sur un drap étendu, là, un mauvais drap étendu. Aïe, aïe, c'est formidable ce film-là! Comment ça? Il dit, c'est la première fois que je le vois de l'école à effet. Oh, j'avais envie du pchof. J'avais envie de... Il l'avait vu une fois. Hein? Il l'avait vu une fois quand il était fini, le film. Oui, il l'a vu quand il était fini, mais ça veut dire que ça avait 35 ans qu'il n'avait pas vu. C'était le producteur. Mmh. Ouais. Alors, c'était un peu enrageant. Mmh. Bon, alors c'est... Mais donc, en fait, vous étiez déjà les quatre dessus. Avec ouais. Un producteur en plus, c'était pas la peine, en fait. Il n'est pas intervenu sur le film, en fait. Non, il n'est pas intervenu, qu'est-ce que tu veux que... Il a signé comme producteur. Lui est producteur. Artistiquement. Lui, il est dans le film, à part le générique, tu veux dire il est non, producteur. Oui, comme producteur. On pourrait imaginer que le producteur intervienne, donne ouais. Une direction, empêche oui. De faire des choses. Non. Mais il faut dire qu'avec le temps, bien sûr, puis là, j'exagère peut-être, mais avec le temps, je suis devenu une espèce de terreur pour les producteurs. Et puis, à un moment donné, ils n'osaient plus parler, ils n'osaient plus rien dire. J'en ai foutu à la porte deux ou trois de ma salle de montage parce que j'ai dit « T'as rien à foutre ici, va-t'en chez vous, va faire tes papiers. » Et j'ai assez brusque. Et puis, c'est beaucoup plus tard que je me rends compte du pouvoir que j'avais à l'office du film. Tu sais, le pouvoir du gars qui on lui dit « Veux-tu monter mon film ?» Je vois les roches avant.
Ça, c'est pas facile pour un réalisateur d'accepter ça. Ben moi, j'ai dit, moi, mon, je veux voir ce que... Si je monte ce film, puis c'est pas un bon film, je peux, si j'aime pas ça, je peux pas y rendre service. Si tu veux que je fasse un bon film, un beau montage, il faut que j'aime le montage à faire. Mais si je déteste ça, qu'est-ce que je veux faire? Je ne peux pas te rendre service par rapport à ça. Alors, juste exigeant de voir les rushs en général. Puis j'ai eu des discussions épiques avec certains réalisateurs qui trouvaient que ça allait un peu loin. Mais avec, tu es tellement stable dans ton métier, puis tu es tellement rigoureux dans ce que tu fais, puis enthousiaste aussi. Hein, t'es pas, je suis un gars qui veut, puis il veut en prendre autant qu'il peut. Mais ça, c'est effectivement très difficile pour n'importe qui de prendre ça, pour le réalisateur aussi. Hein. Bon, quand j'ai dit non à Georges Dufour, que je ne voulais pas monter son film, oh mon Dieu, ça a 4 jours, et puis il est devenu directeur de la production française pendant ce temps-là. Il est dans son bureau. Alors, il me convoque dans son bureau parce qu'il veut que je monte son film. Rendez-vous à 2 heures au bureau de Georges Dufour. À 2 heures, je suis là. À 2h10, je dis bye bye la compagnie. S'il veut me voir, il viendra à ma salle de montage. Ah, je suis reparti. Alors, la secrétaire vient me dire. Écoute, demain à 3 heures, ou chose comme ça. Je dis, d'accord, 3 heures pile, je suis là. 3h15, je dis, bye bye. On ne s'est jamais vu, on ne s'est pas parlé. Hein. Il n'avait pas encore ouvert sa porte, il faut dire que t'attendais qu'il vienne te chercher. Ah oui, ben, comme il me dit à 3 heures, puis qu'il n'ouvre pas sa porte à 3 heures pour me parler, alors je suis parti. Alors, quand tu acceptes ou tu refuses tes films, il faut que tu sois fort d'abord, psychologiquement, mais je ne le savais pas non plus, hein. Mais c'était mes exigences que j'avais. Mais toi, il n'y avait rien qui t'obligeait à monter tout ce qu'on te... Non, j'avais toujours des offres, j'avais plus d'offres que de choses que je pouvais faire. Donc, même des choses que j'ai refusées, parce que je savais que je ne pouvais pas les faire. Alors sinon, quand tu disais donc, au moment du montage pour La Suite du Monde, il y avait Michel Brault qui était toujours dans ta salle. Oui. Donc, tu es avec un des réalisateurs. Oui. C'est le seul qui était dans ta salle de montage. Oui, mais Perrault, là, il était chez lui à la maison. Et à un moment donné, t'as Grand Louis, ou le père Chopin. Alexis qui parle. C'est un gros plan, c'est un beau gros plan, puis il parle. Puis à un moment donné, merde, il n'y a plus d'image, et puis il continue à parler, mais je ne sais pas de quoi il parle, parce que le son est coupé. Mm. Parce que quand on synchronise, normalement, le son... On coupe, puis on met un petit rouleau de côté pour dire qu'il y a ça qui suit, mais je ne l'ai pas trouvé. Alors, j'ai téléphoné à Perrault, j'ai dit, bon, Alexis, il parle de la pêche à tel endroit, puis c'est la claquette numéro 325, puis je n'ai pas la suite de ça, c'est dans quelle bobine de son que je peux trouver ça. Il a dit, attends, je te rappelle. Et puis ça, c'est arrivé très souvent. 15 minutes plus tard, Perrault appelle et dit, écoute, c'est la bobine 19. Et tu vas trouver ça après la claquette, tel truc qui va. C'est la suite qui est là. C'est ce plan-là. Puis là, j'avais tout le son de ce qu'Alexis disait, mais plus que l'endroit où on l'avait coupé par rapport à l'image là. Il y avait un grand bout. Alors, ce grand bout-là, c'est formidable, parce que j'avais Grand Louis, c'est la plus belle pêche que l'homme puisse faire, ou tout ce que tu veux. Puis après ça, ça coupe, son image coupe, mais le son continue, puis il va par-dessus les arcs, tu comprends? Alors, je me servais de ça pour allonger, puis ça donnait très, très... Je ne sais pas si c'est les arcs ou autre chose, mais c'est comme si on regarde les discours d'Alexis, à un moment donné, quand ça arrête, c'est parce que... Là, je veux revenir à quelque chose. Ça veut dire que Pierre Perrault, il faisait quoi? Ben, il écrivait, il a tout écrit. Il a écrit le film au complet, il a fait le livre d'ailleurs avec tous les mots et tout.
mais c'était une aide pour moi là, comme mentor, c'était une aide très précieuse. Hein. C'est lui qui m'a transcrit avec les numéros de Bobby. Ah oui, oui, il savait tout. Il avait tout transcrit. Il dit bobine 29 aux trois quarts à peu près, c'est la telle claquette, puis c'est la suite de ça. Alors là, je veux parler de quelque chose. Je reviens presque en arrière, je fais du coq à l'âne. Mais il y a une chose que je veux te parler. Je veux te parler du ciseau et de la colleuse. Quand on faisait les trucs à la colleuse, c'était une coupe définitive. C'était collé, c'était collé, puis on oublie ça. Et si tu veux déplacer le plan, t'es foutu, tu ne peux pas le faire. Alors, quand je faisais avec la colleuse comme ça, mes débuts, j'essayais de découper, là je perdais une image ici, je perdais une image là, puis ça m'emmerdait, puis je recollais, puis... Mais à un moment donné, j'ai dit, je vais faire quelque chose pour pouvoir déplacer ce plan-là. Je laisse 15 images de plus sur chacun des plans. Alors, choc, choc, 15 de trop, 15 de trop, puis... Mais comme tu l'as vu pendant 6 mois, ce 15 de trop, 15 de trop, il fait partie du film, tu comprends? Puis 6 mois plus tard, tu dis, oh, qu'est-ce que c'est que ce... Qu'est-ce que c'est que cette bavure-là? Comment ça se fait que j'ai laissé passer ça? Ça se peut pas. Puis là, je me suis rendu compte que j'avais oublié de revenir en arrière puis de couper comme je l'entendais vouloir couper. Donc, c'était des collures définitives. Alors, je me suis dit, il faut trouver un truc. Il faut trouver un truc de façon à pouvoir... Ah non, c'est Michel qui a dit, il faudrait que tu trouves... Une affaire qui coupe entre les deux images. Mais avant, tu avais le Père Marcel. Le tulle, c'est à cause du Père Marcel que vous pouvez faire ce ciseau-là, mais... Hein, ah, ok, je pensais que c'était avant. Non, on avait le Père Marcel avant, mais c'était pour réparer les perforations pétées le long du film. On réparait ça avec un Père Marcel. Alors, on avait toujours ce Père Marcel qui servait à réparer, mais pas du tout à coller. Puis là, il faut être juste, c'est Guy Côté qui, à un moment donné, coupait avec sa colleuse à chaud et qui se coupait un petit bout de permacel. Puis qui, je l'ai vu faire comme ça, permacel, puis il mettait son bout de film en dessous du permacel, puis il collait ça comme ça. Puis ça, c'est Guy Côté. Alors, ça, c'est partant de ça que je me dis, ça y est, il faut faire quelque chose. Et puis, comme je te dis, c'est Michel Brault qui a dit il faut qu'on trouve un moyen pour couper en deux images. Parce que la colleuse à chaud, elle ne coupe pas en deux images, elle coupe plus pour pouvoir coller. Alors, là, j'étais à l'engineering, parce que quand on a monté pour la suite du monde, elle était totalement en dehors de l'office. En dehors parce qu'on avait beaucoup de matériel. On travaillait tard le soir, puis patati. Alors, on avait un local qui était en premier étage, derrière le bureau de l'expédition des postes. Là. Ouais. Et puis, il y avait notre bureau, puis l'engineering qui était à côté. Alors, on s'est installé à cet endroit-là, et puis on travaillait. Puis, à l'engineering, je leur ai dit, écoutez, j'ai besoin d'un ciseau, puis il faudrait que ça coupe. Puis, les gars étaient extraordinaires, hein. Ils m'ont fait la petite plaque, ils ont fait les trucs, ils l'ont coupé, puis ça ne marchait pas, puis ils ont fait un autre. Puis à un moment donné, j'avais le ciseau qui coupait comme il fallait. Alors là, je pouvais couper. Je prenais moi aussi le permacel comme Guy Côté faisait. Et puis je collais mon bout de truc, puis je collais l'autre bout après. Permacel, tu sais c'est quoi? Non. C'est du ruban collant. J'en ai ici un bout. Mais je pense que c'est 35, mais ça ne fait rien. Simplement pour revenir donc sur ce ciseau, redire aussi, on en parlait, que donc, tout ce que tu montais à l'époque, c'était du 16 ou tu avais aussi du 35? Du 35. Enfin, quand je faisais un long métrage, c'était du 35. Ouais, okay. Et les longs métrages, ça commençait avec X13 d'ailleurs. Ouais. X13, ça commençait, en 70, X13. Ouais. Et c'est là que j'ai eu ma première Steinbeck. Et là, Et donc, toi, tu avais ton ciseau. Ça change, mais il y a des sacrés trucs, des sacrés problèmes qui interviennent dans la tête d'un gars
qui avec une Simpec, c'est que ça va tout seul. Vroom. Vroom. Alors, ils réfléchissent. Il y en a beaucoup qui réfléchissent pas comme ils devraient réfléchir quand ils travaillent sur une Steinbeck. Parce que sur une Steinbeck, quand tu fais une coupe, tu fais un plan là, puis tu coupes là, puis tu en mets un autre, puis tu reviens en arrière, gentiment, puis là tu repasses ton truc, puis tu dis ouais, ça marche. Mais il faut que tu ailles assez en arrière à certains moments. Si tu as un rythme dans ta tête, il faut que tu retrouves ce rythme dans les autres trucs, tu comprends? Donc, il ne faut jamais couper puis aller à autre chose. Il faut que tu coupes, tu reviennes et que tu regardes. Mais la Steinbeck est trop facile. Elle n'a pas tendance à t'obliger à réfléchir à ce niveau-là. Avec la Moviola, c'était différent? Ben oui, ça m'était... Moviola, 24 images secondes. 16 images secondes quand elle est pas sur le gros moteur, et puis 36 images à haute vitesse. 36 images à haute vitesse. Tu te rends compte ce que ça veut dire, à haute vitesse? Même pas deux fois, une fois et demie. Une fois et demie, le temps normal. Tandis qu'avec une Steinbeck, pendant le temps que tu regardes ça, t'as passé un 100 pieds. Hein. Alors, c'est la vitesse, là. Et puis, je me dirais que l'ordinateur doit produire un peu le même effet. Oui, ce que disent, en tout cas, les monteurs qui sont passés au numérique, c'est que le temps de réflexion, le temps de rembobinage et tout ça, ça manque à un moment. Quoi. Ah oui, bien sûr. Ouais. Ben oui, il faut que tu serves le truc tout le temps. Tu dois être à la vitesse de ton appareil. Mm-hmm. Alors, il faut freiner ça. Hein? Je trouve ça intéressant de dire qu'il faut être soit à la vitesse de ton appareil, c'est vrai. Oui, mais c'est pas vrai. Hein? C'est l'appareil qui détermine ta vitesse de travail, finalement. Oui, mais il faut freiner, ça, puis empêcher, il faut te battre contre ça, parce que tu te fais avoir autrement. Et alors donc, les problèmes de montage que tu racontes avec donc, la colle et puis le scotch, etc., c'est les mêmes en 35 et en 16 ou c'est, plus... c'est la même chose. C'est la même chose. Ouais. Tu perds aussi une image en 35. Ouais. Oui, c'est la même chose. Donc, il faut les ciseaux 35, ouais. J'en avais, et puis le ciseau 16, et puis les colleuses 35 et la colleuse 16. C'est-à-dire, on ne parle plus de la colleuse à colle, là. Ouais. On parle de la petite qui est là. Et donc, au moment où arrivent les Steinbeck, tout le monde à l'ONF est rééquipé complètement. Tout le monde ne fonctionnait pas de cette façon. Tout le monde. Moi, j'ai eu la deuxième Steinbeck qui est rentrée. La première, c'est Monique Fortier qui l'a eue. Moi, j'ai eu la deuxième. Et après ça, il y en a une troisième, une quatrième, une cinquième. Et à un moment donné, tout le monde avait des Steinbeck. Et puis les Moviola partaient. Puis ça s'en allait à... Dans des trucs d'animation, les gens jouaient avec ça, l'animation. Ils faisaient un petit bout de plan, puis regardaient ce que ça donne là-dessus. Puis c'était très bien d'ailleurs, comme visionneuse finalement. Alors c'est ça que les gens faisaient. Et toi, t'as mis du temps, ça a été dur au début de changer de machine, il y a eu des choses qui ça a été dur, mais pas tant que ça. Mais je te donne un exemple extraordinaire. Et vous devez avoir entendu parler de lui, Yves Leduc. Bon, Yves Leduc, il travaillait sur sa Moviola, sur ça, dans sa salle de montage. Et quand il avait monté un bout de séquence, il se retournait, puis il servait de la Steinbeck comme visionneuse. Il n'a jamais fait autre chose que de se servir de ça comme visionneuse. Il n'a jamais coupé là-dessus. Ah ouais. C'était une télé, quoi. C'était un moniteur. C'est devenu une grande visionneuse. Mm. C'était beaucoup très cher pour une grande visionneuse. Monsieur, ouais. Mais toi, ça a été, enfin, tu as fini par finalement trouver ça confortable ou... Ça a été assez vite. Mm. J'avais un gros problème avec la Steinbeck, c'est que, comme j'avais un rythme musical dans ma tête, et puis je faisais rouler les images, juste les images pour trouver le rythme.
j'avançais, puis j'avais le rythme. Puis là, je reculais. Et puis, en reculant, le son arrivait des fois tellement raide sur le... T'as un petit paysage, et puis après ça, t'es sur l'autoroute. Alors, quand tu es à haute vitesse, parce que là, quand tu veux bien entendre, tu montes le son, puis là, ça va bien. Puis à un moment donné, quand tu recules sur les trucs, puis tu arrives sur un point où il y a beaucoup de son, ça te pète les oreilles d'une façon extraordinaire. Alors, ce que j'ai fait, j'étais voir Engineering, j'ai dit, il faut que vous me décidiez, vous me baissiez 50% le son du moment que je mets le truc pour reculer. Ils l'ont fait. Ça a été tout seul. J'ai monté des films chinois sur la Chine. Et là, j'avais une autre langue. Là, c'était un sacré autre problème à résoudre, c'est la langue chinoise que je ne connaissais pas. Alors, j'ai eu une traductrice qui est venue me traduire chaque lundi. Elle est venue me traduire les séquences que je m'apprêtais à monter. Alors, je me dis, ça va où ce bout-là, ce truc-là, il s'en va où dans ma grande phrase? Alors, j'ai réussi à faire à l'ONF, c'est ça qui est formidable de l'ONF. Faites-moi une enregistreuse connectée avec Mastinbeck. Ah, ils m'ont fait une enregistreuse connectée avec Mastinbeck. Je mettais la Mastinbeck en marche, l'enregistreuse se mettait en marche. J'arrêtais, elle s'arrêtait. Je revenais en arrière, elle revenait en arrière. Alors, et puis là, j'enregistrais, puis je passais de l'un à l'autre. Alors, ça a été... j'oublie un truc. Ah oui, j'avais toujours ma langue chinoise au-dessus. J'avais la traduction d'Angela en dessous, Angela, en dessous. Donc, je pouvais passer d'une tête à l'autre avec Chine et l'autre. Et quand on revenait à une nouvelle séance d'enregistrement, je regardais avec elle la séquence et je mettais en marche mon enregistreuse qui était à côté pour enregistrer la nouvelle traduction. Et puis, donc, c'était toujours assez précis. Hein. Et on s'est servi de ça pour la Chine. Et c'était projeté en Chine et puis personne n'a jamais dit que ce n'était pas correct. Et entre les deux, donc la Moviola et la Steinbeck, en termes de confort de travail, j'imagine aussi... Ah, la Steinbeck, c'est vachement plus confortable. Ah, ouais. Le bruit, le truc, la vitesse, c'est le fun de pouvoir arriver vite. Mm-hmm. Ça, c'est plate quand tu dois reculer. Tu dis, où c'est que j'ai mis ce plan-là? Est-ce que je l'ai mis au début ou je l'ai mis au milieu? Puis là, tu dis, je vais regarder vers la fin. Hein? Tu recules, puis il y a 36 images. Ouais. Ça ne marche pas, alors tu le défais de là, puis tu le mets sur une manivelle, mais tu le remets en place. Puis là, tu montes à 24 images jusqu'à ce que tu trouves le plan que tu as dit, que tu as pensé à, qui avait disparu. Et aussi le dos et tout ça, non? Avec non, le dos, c'est parfait, la Moviola. La Moviola, c'était mieux. C'est la nuque. Alors, je faisais des torticolis merdiques quand je travaillais avec ça. Parce que tu montais debout. Mm-hmm. Ah oui, tu montais debout. Après ça, quand j'étais sur la Steinbeck, je faisais du 35. Grosse bobine 35, tu as déjà essayé de soulever ça en étant assis sur l'autre côté. Là, je me suis foutu en l'air le dos. Hein. Alors sérieusement, foutu en l'air le dos, à tel point que j'en souffre encore aujourd'hui. Alors je pense que c'est un métier qui m'a bouffé ma santé physique. Mais ça m'a vachement abreuvé mentalement, par exemple. Hein? Est-ce qu'il y a quelque chose qu'on oublie dans tout ça? Moi, je voudrais poser une question. Est-ce que le fait que quand tu as pu coller et décoller partout là, tes films, est-ce que tu en as profité pour faire des essais que vous ne faisiez pas avant? Est-ce que ça a permis donc d'explorer beaucoup les possibilités de la pellicule plutôt que les collures à chaud?
Oui, bien sûr. C'est non, non, c'est vrai. Quand je dis que... J'ai dit au début qu'une colure à chaud, c'est une colure définitive psychologiquement. Où tu laisses des images de trop, tu oublies d'enlever parce que tu es habitué à les voir en trop. C'est-à-dire que quand tu as la bonne coupe, tu prends le plan, tu le mets ici, tu le mets là, puis tu le... parce qu'il y a sa bonne longueur. Où que tu le mettes, ça ne veut pas dire qu'il va avec, entre les deux plans où tu as décidé, il ne va peut-être pas là-dedans, mais lui il a sa longueur. Ah, tu peux trouver l'endroit où il va. Puis est-ce qu'on peut dire que c'est, vous étiez plus explorateur, faisiez plus d'innovation parce que vous pouviez prendre, essayer plein d'affaires que vous n'auriez pas faites avant parce que c'était trop compliqué? Non, je ne dirais pas ça. Ça dépend de la mentalité du monteur. Tu sais, on avait le temps. Ce qu'on n'a plus aujourd'hui, là, on avait du temps de faire les choses. Il n'y a jamais personne qui m'a dit il faut que tu aies fini ce film. Le seul, c'est Les Garçons de Saint-Vincent. C'est quand même beaucoup un film que j'ai fait à l'office. Le seul qui m'a fait chier au niveau du temps et tout ça, c'est Les Garçons de Saint-Vincent. C'est... Le point de temps, tu parles? Oui. Comment il s'appelle? 10 hours walk a day. C'est... Tu cherches producteur ou réalisateur? Le producteur qui était au privé. Pour les garçons de Saint-Vincent. Ouais, c'est un coproducteur. Il a dit que Bernard ne faisait pas. Il a demandé à l'office qu'il me foute à la porte. Parce que t'allais pas assez vite. Hein? T'allais pas assez vite. Oui. Il a demandé qu'on me foute à la porte. Luca. Mais je n'ai jamais. Hein? Luca, oui. Et il n'y a jamais personne de l'office qui m'en a parlé. Et ils ne m'ont pas foutu à la porte non plus. Alors, non, mais j'étais choyé. Hein? J'étais très choyé à l'office du film. C'est incroyable à quel point à part ça. C'est réellement chanceux. Et donc la colure à guillotine, ça a quand même beaucoup facilité le travail, ça évitait de devoir imaginer les 15 images. Ah non, non, c'est la colure à guillotine, ça a changé notre vie. Hein. Je ne me suis jamais servi de la guillotine parce que j'avais mon ciseau. Mais les autres, il y en a eu quelques-uns qui ont eu des ciseaux qui sont servis de ça, mais d'autres pas. Mais là tu n'avais pas besoin d'un ciseau. Mais tu sais, il y a un truc croche là pour le son. Un crayon en papier. Je vais te montrer quelque chose. Voilà. Ça va. 16 mm. Une bande de 16 mm, c'est à peu près ça. Hein? Ouais. Disons que c'est ça. Hein? Mm-hmm. C'est un peu plus... c'est 18 mm. C'est pas 16, c'est 18. Bon. Alors, on a des colleuses ici. Coupe tout droit. Entre deux images. Mais sur la colleuse, là-bas, il y a un truc qui est à angle. Tu as déjà vu ça? Il y a une chose à angle qui est à angle comme ça. Mm-hmm. Alors, la bande son, elle est à l'intérieur de ça, et puis elle est à peu près ça. Elle est à peu près, la bande son, elle est au milieu, là, puis quand tu coupes de pied, là, c'est à peu près ça. Même ça, c'est un peu exagéré. Alors, les gens se servaient de ça en disant, Si je coupe comme ça, ça va me faire un fade-in dans mon son. Alors, tout le monde a fait ça, comme ils ont fait ça pour faire un fade-in. Mais imagine-toi si ton image est cette grandeur-là, et puis que le fade-in est là. Il faut avoir des sacrées bonnes oreilles pour l'entendre, le fade-in. Hein? Sur une image, donc c'est totalement inutile. Et ridicule. Sauf qu'il y a quand même un truc. Si le son est coupé droit comme ça, là, et puis que tu as le ciseau, ton ciseau qui est magnétisé le moindrement, et puis que tu coupes comme ça, et clac, comme ça arrive sur une tête sonore. Ah, magnétisme.
Et quand tu coupes avec ça ici, comme ça, ça ne fait pas clac. Alors, c'est la raison. Mais il y a, je suis sûr que le gars qui a fait la colleuse, M. Cattozzi qui a fait cette colleuse-là, il a pensé au clac. Mais les gens à l'office, ils disaient, ça fait ils coupaient tout ce qui était son, ils coupaient ça comme ça parce que ils faisaient des fades. Mais donc toi, t'as continué à couper avec ton ciseau qui était en fait plus pratique. J'ai jamais utilisé autre chose que le ciseau. Ah ouais. Mais non, mais c'est pratique, tu l'as dans la main, tu comprends, puis... Tu te servais de la colleuse italienne pour les faire les doubles colleurs. Ouais, ouais, c'est vrai. Parce qu'il fallait faire des doubles colures comme tu voulais faire des projetés, si tu ne voulais pas que le film déchire. Mm-hmm. On faisait des doubles colures, ça, c'est plate. Ça. C'est pas tout le monde qui le faisait non plus. Non. Non, mais c'était long et tough. Tu faisais des doubles colures, le nettoyage de film? Ouais. Ouais, c'est là, je pense, que je me suis foutu de... Ma polynévrite, c'était avec le... Comment s'appelle ce... Chlorure de carbone. Tétrachlorure de carbone. J'ai inhalé ça pendant 30 ans. Et puis, je pense que ça m'a donné... Ma polynévrite vient d'un... Parce que la polynévrite, là, 9 fois sur 10, ça vient d'alcoolisme. Et puis jusqu'à 65 ans, 70 ans, je n'ai pas bu, là. Je ne peux pas dire que j'ai bu. J'ai commencé à boire quand je suis parti de l'office, par peine de ne plus avoir mon petit office. Puis j'avais ma carte, j'avais ma carte honorifique dans ma poche. Puis un jour, je m'en vais à l'office pour dire bonjour à du monde. Puis je rentre dans le lobby, puis je montre ma carte honorifique. Mais qu'est-ce que c'est ça? Une carte honorifique? Qui c'est que vous voulez voir? C'est tout le monde. Mais j'ai une carte honorifique. Jamais vu ça. Il ne m'a pas laissé passer. Il y a une petite revue, ils ont fait une entrevue sur le film olympique. C'est peut-être ça qu'il faudrait lire plutôt que de l'enregistrer. Sauter comme un rapace sur tout ce qui bouge. Je ne me souviens pas ce que j'ai dit là. Un texte que tu as écrit? Ouais, un texte. Non, c'est une entrevue que j'avais donnée dans une revue qui est écrite quelque part. En parenthèse, c'est cette fin de semaine que commençaient les Jeux Olympiques de 76. Il y a 40 ans, donc c'est aujourd'hui ou presque donc, cette semaine. Tu peux nous redonner le contexte, comment tu es arrivé à réaliser ce film et puis à... Bon, alors, je ne parle pas de réaliser le film, c'est Jean-Claude Labrec qui l'a réalisé. Oui. Non, mais un jour, Bobet m'appelle et puis dit, tu montes le film olympique. Je dis, ah bon. Mais personne acceptait de travailler là-dessus. Puis, je voulais former une équipe de monteurs de l'ONF qui travaille avec moi sur le film olympique. Il n'y en a pas un qui a accepté. Alors, personne ne voulait travailler là-dessus. Et puis finalement, on m'a dit, tu montes le film olympique. Puis je ne pouvais pas dire grand-chose d'autre. Alors, j'ai dit, OK, je vais le monter. Puis j'ai pris des gens que j'avais eus comme assistants, que j'ai pris dans des salles de montage pour qu'ils travaillent avec moi. Et puis moi, je montais, je leur faisais faire des assemblages, des trucs, je leur racontais. Puis après ça, je venais, puis je retassais les affaires ou je les changeais de place. Mais on faisait des projections tous les jours. Et puis chaque monteur, il y en avait 5, je pense, chaque monteur avait une couleur de crayon. Là. Alors la bonté, c'était vert. Alors, tout ce que la bonté, je faisais choisir mes sports. La bonté, là, j'invente là, le nom des gens. Alors, la bonté disait, moi, j'aime la bicyclette. Alors, j'ai dit, bon, toi, tu prends la bicyclette. Puis, tu dis, j'aime la gymnastique. Donc, tu prends la gymnastique. L'autre, il disait, moi, je veux
le saut en hauteur, puis moi j'aime le décathlon, puis alors je le distribuais par rapport aux disciplines. Et puis tous les matins ils arrivaient avec le, puis toutes les marques qu'ils avaient sur les trucs, c'était dans leur couleur, le vert, donc je savais à qui était qui. Et puis là on faisait les projections et là, je regardais le film, puis j'ai dit, tu choisis le plan, parce qu'il y a des numéros, il y avait des claquettes, puis tout ça, là. J'ai dit, surveillez vos claquettes, puis tant que je dis rien, là, j'en veux pas. Alors, je regardais le truc, puis je dis, ah, ce plan-là, je le veux. Puis là, il prenait le numéro de claquette, puis là, je regardais, ça, je le veux, ça, je le veux. Puis à un moment donné, pendant 10 minutes, je voulais rien. Puis je me disais, qu'est-ce qui m'arrive? Est-ce que je suis devenu insensible ou quoi? Et puis tout à coup, j'avais de nouveau un ou deux plans qui le faisaient sortir. Et puis là, ils rentraient dans leur salle de montage. Ils les sortaient de la boîte, bien identifiés. Ils les mettaient sur un rouleau. Puis là, je leur disais, essayez de faire un petit montage avec. Puis ils essayaient de faire des affaires. Puis la bonté, il a fait beaucoup de choses qui n'ont pas changé, même après qu'il ait, il y avait du talent. Tu sais tout de suite quel a du talent ou l'autre qui n'en a pas. Alors, il y a des choses que je n'ai presque pas touchées pour la bonté, puis d'autres que j'ai recommencé complètement. Mais le matériel que j'ai recommencé, c'était quand même le matériel que j'avais sélectionné. N'est-ce pas? Donc, c'est déjà beaucoup, un gros travail de fait. Alors ça fait tous les jours qu'on rentrait avec ce matériel-là. Mais dans ma façon de faire, où ça devient intéressant, c'est que ma façon de faire est totalement contraire aux Olympiques. Je vais t'expliquer pourquoi. Quand ils sautent à la perche, saut en hauteur, disons, pas de perche là, saut en hauteur, comment on sait que celui qui gagne, que celui qui saute le plus haut, comment on sait qu'il saute le plus haut? Le sais-tu? Hein? On le sait parce que c'est annoncé par les officiels. Après. Tout le monde saute, puis ils font basculer la barre. Mm. Le dernier qui a sauté, qui ne l'a pas fait basculer, et en principe, il vient de gagner. Mais ce n'est pas ça qui est inscrit dans le record. Ils mettent un truc plus haut, il saute encore, puis là, il fait tomber, puis là c'est là qu'il l'a raté. Donc, le point gagnant est sur le point où il rate. C'est un peu logique, c'est un peu normal, mais dans l'esprit des gens qui regardent ça, c'est celui qui ne fait pas tomber la perche qui gagne. Et puis ça, c'est pour moi, excuse-moi, pour moi, c'était essentiel de comprendre ça, qu'on gagne, de cette façon-là et non pas... Pour moi, un spectateur, il dit, ah, il n'a pas fait tomber la perche, donc il a gagné. Bon, c'était ma conception du visuel de ça, mais dans les Olympiques, ce n'est pas comme ça que ça se passait. Alors, donc j'ai fait ça. Il n'y a jamais personne, il n'y a pas un commentateur sportif qui a vu le film, qui a dit, hey, c'est pas juste. Mais c'est pas juste par rapport à ce qui se passe dans les Olympiques, c'était pas juste. Il aurait fallu que... le gagnant fasse tomber la perche, mais il ne faisait pas tomber. Alors, pour moi, il avait gagné. Et puis, il y a des trucs que je ne voulais pas monter parce que tête hors de l'eau. Puis dans le 100 mètres, j'avais un petit Cubain qui était là, qui courait magnifiquement bien, mais s'était blessé la jambe juste quelques jours avant les Olympiques. Pendant les Olympiques, il faisait le con. C'est une bouteille de coke qui allait ouvrir la jambe depuis pas mal. Alors, il a donc perdu, puis il est rentré à Cuba. Et puis une semaine plus tard, comme tout le monde, quand les éliminatoires ont eu lieu, on voit ce, parce qu'on l'a suivi beaucoup, puis il est là toujours présent, parce on pensait, avant les Olympiques, on choisissait des gars qui avaient la chance de gagner dans leur discipline. Alors, il était là, puis il regardait passer le gagnant. Mais il était à Cuba, en réalité. Il n'y a personne qui a dit que ce n'est pas vrai. T'sais.
Pourtant, il n'était pas là, il était à Cuba. Et puis, c'est des trucs comme ça. À un moment donné, le comité olympique, il vient voir. Jean-Claude, la vraie, je ne sais pas où il était dans ces moments-là. Il se poussait, hein, veut pas. Parce qu'on me fait venir dans le bureau du commissaire, parce que les inspecteurs de... des inspecteurs des Olympiques qui étaient là, le CIO, ils voulaient voir le film, puis ils ont vu le film, et puis après ça, dans le bureau, ils m'ont fait venir au bureau, ils m'ont dit, bon, comment ça se fait que le soccer soit pas là? Ça me fait chier, le soccer. C'était pas très bien tourné, puis bon, je pouvais pas ramasser ça pour en faire... Moi, j'ai toujours, toute ma vie, j'ai essayé de faire des petites histoires, que ça soit court comme ça, comme ça ou comme ça. Quand je n'avais pas une petite histoire à raconter, j'aimais mieux rien faire. Bon, alors, je n'ai pas été capable de raconter une petite histoire avec les footballeurs. Ah, j'ai dit, c'était pas bon. J'ai dit, comment c'est pas bon? Non, c'était mal tourné. Est-ce qu'on peut voir les plans? J'ai dit, ben oui, venez donc. Puis, ils sont rentrés dans ma salle de montage, je leur montre le beau tournage qu'il y avait sur le football. Regardez comme c'est mauvais. Et là, il y a un gars qui dit, ouais, vous avez raison, c'est pas très bon. Alors, j'ai dit, c'est pour ça que c'est pas dans le film. Ah ben, on comprend. Puis ils sont partis. Et puis, une autre chose, je leur ai échangé une autre séquence, c'est le water polo. C'est des têtes hors de l'eau. Alors, il faut absolument mettre ça, le water polo, dans le film. J'ai dit, écoutez, je vous échange ça pour Onichenko. Onichenko, c'est le gars qui s'était fait poigner avec la poignée avec un clic de ça. Il avait été éliminé, mais moi, il était dans le film. Alors, il m'avait déjà parlé qu'il fallait enlever Onichenko. On dit, je vous échange le water polo contre Onichenko. On dit, on est d'accord. C'est le fleuret, ça, Onichenko. Alors, tu négocies comme ça. Mais c'était une job. J'ai dormi à l'office quand même pendant 2 mois, hein. 3 mois. Du lundi au vendredi matin, je dormais à l'office. Et puis à un moment donné, je voulais avoir des draps propres. Ça faisait 3 semaines, j'étais dans le même drap, dans les sales draps. Et puis là, j'ai dû me chicaner pour avoir des draps propres. J'ai dû me chicaner pour avoir des crayons de couleur. J'ai dû me chicaner. Personne ne voulait rien faire. Ils étaient tous contre le film. Et tout le monde qui pouvait te mettre les bâtons dans les roues, te mettait les bâtons dans les roues. Et tout le monde. Ouais, ouais. Michel Brault a refusé de tourner. Mais quoi, il y avait une raison, ça avait été... Non, mais ils étaient comme anti-olympiques, c'est tout. Puis personne... Ouais. Et puis, il y a quelques... Qu'est-ce que tu cherches? Thilio qui... Ah. Il y a quelqu'un... Moi, j'ai oublié, il dit... Alors, qu'est-ce que je voulais dire? Non, le fait que tout le monde était contre les Olympiques. Ah oui, ils étaient férocement contre. Brault n'a pas tourné. Il y a Vamoche qui a tourné. Puis, qui a tourné? Il y a Baudin qui a fait du tournage de contre. Tu avais déjà 4 réalisateurs. Il n'y avait pas juste Jean-Claude. Non. Il y avait Marcel Carrière, Jean Baudin, ouais. Labrec, mais je ne sais plus qui. Oui, c'est ça, quatre. Mais on était 32 équipes, mon chou. Hein. C'est 4 réalisateurs sur 32 équipes. Ça ne fait pas beaucoup de réalisateurs. Hein. Alors. C'est la seule fois que tu as travaillé avec un groupe de monteurs comme ça. Moi, oui. Ouais. Sinon, tu avais des assistants réguliers. J'avais des assistants quand j'avais un truc plus important à faire. X-13, j'avais le fils de Godbout. Il y a des films qui demandaient un peu plus de trucs où j'avais des... C'était vraiment des trucs spéciaux. Quand j'avais un monteur, c'est que... Bon, j'avais un monteur pour les garçons de Saint-Vincent parce qu'il y a beaucoup de matériel. Puis là, il faut aussi dire que, un peu plus vieux, j'étais un peu plus... alors, j'aimais ça avoir un monteur qui allait chercher mes roches au laboratoire, tu sais. Ne serait-ce que ça, puis ranger la salle de montage qui était en bordel.
Et sinon, quand tu disais pour la suite du monde, Michel Brault était là tout le temps dans la salle, oui. C'était fréquent que le réalisateur non, soit là non, tout le non, temps. Non, non, non. Donc d'ailleurs, jamais, Michel Brault, il ne me regardait pas travailler. Ouais. Non, j'aurais jamais accepté ça, mais c'était le fun. Il y avait une Sinbeck là, une Moviola là, puis moi je l'avais là, puis on travaillait tous les deux. Puis à un moment donné, Michel, viens voir, j'ai trouvé un truc formidable. Alors il venait voir, il dit, oh, wow, c'est formidable. C'était une espèce de gratification d'avoir une réaction. Quand tu étais enthousiaste d'un truc que tu venais faire, tu pouvais le partager avec quelqu'un. Puis c'est... Mais autrement, les réalisateurs, là, qu'est-ce que. S'ils ne travaillent pas sur un autre Steinbeck ou un autre Moviola en même temps que toi, qu'est-ce qu'il va faire? Il va regarder par-dessus ton épaule. Et se faire regarder par-dessus l'épaule pendant le temps que tu fais quelque chose, ce n'est pas possible. Et si je peux me permettre d'interrompre, là, aujourd'hui, les réalisateurs sont tout le temps dans la salle de montage, mm-hmm. avec les monteurs. Je ne comprends pas pourquoi, puis je ne comprends pas comment on peut travailler... puis montrer quelque chose à quelqu'un qui a un premier regard de spectateur, s'il est toujours derrière. Ben oui, mais c'est le monteur en principe qui a le premier regard, mais si ce regard du monteur est noyé parce que le réalisateur est à côté, il y en a un des deux qui est en trop, il y en a un qui fait de la manipulation, puis l'autre qui fait de l'obstruction. Non, non, ça dit quelque chose de l'évolution de la place du monteur. C'est-à-dire qu'il y avait, une confiance ou un rapport qui n'était pas du tout le même. Là, maintenant, ça devient la personne qui fait les coups. Ah oui, puis tu as juste à regarder les génériques sur les films. Dans le temps, c'était réalisateur, caméraman, ou photographie, caméraman, et le monteur. Et après ça, le musicien. Des fois, le musicien venait avant le monteur, même avant le caméraman. Mais ça a toujours été les 3-4 premiers. Hein. Les prix qu'Albert Tessier, comme j'ai eu, là, les monteurs n'en auront plus. Hein. Je ne croirais pas. Hein. Tu es le seul monteur. Oui, pour le moment, je suis le seul. Hein. L'as-tu vu, mon truc? Ah oui. C'est extraordinaire de penser ça. Il y a des réalisateurs qui ont rêvé d'avoir ce prix-là. Albert Tessier, ils ne l'ont pas eu, puis ils ne l'ont pas eu, puis ils ne l'ont pas eu. Marcel Carrière ne l'a pas eu non plus, Albert Tessier. Oui, après, c'est Albert Tessier, là. Oui. Oui. Alors, c'est ceux qui ne l'ont pas, ils sont frustrés. Puis, mais c'est des monteurs, il n'y en a pas. C'est exclu. Ouais.